Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet Kingdoms, toujours avec Kangrong. Donc on s'était pris lors du dernier épisode une grosse dérouillée, on va pas se mentir, de la part de Kong Zunzan. On avait été un peu trop à poil en testant le débarquement là, pour l'attaquer, et du coup bah ce qui arrivait arriva, hein, on s'est fait défoncer. Donc bon, du coup on a perdu nos deux meilleurs généraux, enfin nos deux plus expérimentés en tout cas, et notre chef de faction est blessé pour encore un tour. Du coup, je pense que je vais quand même profiter de cette occasion pour ne pas le remettre en combat, lui, parce que franchement, il est vraiment rien à foutre dans une bataille. Donc je vais le transformer en armée de défense. Donc ça sera lui, la petite armée là qui se baladera de garnison en garnison pour faire des trucs. Ici, vu que... Ici, on a notre... pas allié, mais notre partenaire commercial qui est en train de terminer Wang Shao. Je pense qu'on va reculer ici, on va aller fusionner cette armée là avec lui. J'ai regardé un petit peu au niveau des trucs là qu'ils ont, qui font qu'ils s'aiment ou qu'ils s'aiment pas. Alors je sais plus où c'est qu'on le voit. Oui voilà, c'est quand on met la souris dessus, on voit que lui respecte la patience, il admire l'intelligence, il a intimidation redoutée, qui fait que il soutient l'intimidation, etc. Et en face on a lui qui a également intimidation, qui a honneur, hein, donc il s'oppose à la cruauté, et qui soutient la guerre mais dédaigne la discipline et se méfie de la stature. Donc je pense qu'ils sont plutôt bien compatibles ces deux là. Lui on peut peut-être même le mettre en marche pour aller fusionner là. Hop. Donc là on les fusionne. Préparez mes quartiers. Et on voit que bah, ils s'entendent plutôt bien, a priori. Ce qui veut dire qu'ils seront plus efficaces ensemble dans l'armée. Donc là, comme on a vraiment des régiments spécialisés, lui vraiment très très bon en tir. Lui, il a un petit peu de tireur, mais lui est un peu plus polyvalent pour le coup. On va mettre un autre général qui sera un peu plus orienté infanterie, je pense. Et derrière, on sera plutôt bien. Ici on recrutera Kangrong quand il sera en forme. Malheureusement pour l'instant les gens qui sont ici sont absolument incompatibles. Lui c'est un commandant, j'aurais bien voulu, mais il est pacificateur. Alors il s'oppose à la guerre, il accorde de la potence à la gentillesse et tout, enfin c'est pas du tout le thème. Pour l'instant en tout cas lui c'est pareil, il s'oppose à l'intimidation donc ça va mal se mettre. Et lui c'est carrément un manipulateur, enfin vraiment pas possible quoi. Donc on va essayer d'attendre d'avoir d'autres personnes plus intéressantes que ça si on peut. Je vais voir leurs offres. Pourquoi ça se casse la gueule ici? Ah parce qu'on a fait un transfert d'unité, on a moins 50 de ravitaillement, très très bien. J'ai aussi refait un petit peu de rangement dans les trucs, donc lui je vais donner l'équipement de feu nos généraux pour qu'ils soient un peu plus à même de tabasser, on va dire, en combat. Et lui pareil, je vais donner des trucs pour qu'ils soient un petit peu plus fidèles. Bon, il peut pas équiper de choses de fifou, hein, ça reste un stratège. Donc du coup on a pas mal de sous, on pourrait je pense améliorer notre capitale au rang de petite cité, et on va le faire. On va garder le reste des sous pour nos recrutements futurs. Appelez les marchands. Ici on pourrait peut-être même recruter déjà quelques unités, alors pour l'instant on a vraiment que de l'infanterie. Ou alors je recrute un petit peu de cavalerie avec lui. Alors peut-être que deux mecs pour pouvoir protéger les archers, c'était quand même plutôt un bon thème, on va faire ça. Profiter tout de suite qu'on a un beau ton de reconstitution pour le faire ce tour là. Il fallait qu'on prenne une réforme. Alors au niveau des réformes, prime à l'établissement, plus de croissance de la population, revenu de toutes les ressources 10%, c'est pas mal. Position d'administrateur disponible plus 1. Oh, intéressant ça, et ça nous débloque la cour. C'est quoi ce bâtiment là? C'est un bâtiment spécial? Ah, c'est un bâtiment de là, d'accord, ok. C'est ce truc là, très très bien. Très très bien, c'est très très bien. Bon, c'est pas mal déjà, avec le fait d'avoir un administrateur supplémentaire, c'est un sacré bonus déjà. Bureau du banditisme, ouais. Donc là on aurait plus d'accords commerciaux, mais pour l'instant personne ne peut de toute façon nous saquer, donc c'est pas très très utile. Revenu de l'industrie, briques cuites.
Donc ici on a pris, on pourra déverrouiller des vrais archers à la place de nos archers miliciens, mais vu que je pense qu'on va s'engler vers les arbalétriers vu notre faction, c'est pas forcément une priorité. Camp d'entraînement, rang de départ pour toutes les recrues, ok, pourquoi pas. Ça nous débloque, on peut pas débloquer des genre des mecs qui sont pas des miliciens. Infanterie armée de J par exemple, il faudrait ça, faudrait qu'on ait grenier toujours plein avant. Et après on débloquerait infanterie lourde armée de J, d'accord. Et ensuite les dragons de jade. Pourquoi pas. Alors sinon. Donc ça c'est vraiment, vraiment de la paysannerie. Si là il y a une unité, c'est quoi? Groupe de paysans. ouais. Je suis pas bien sûr que ce soit très très efficace tout ça. Alors là, on débloquerait. C'était où? J'ai vu passer un truc avec une unité. Merde. Non, ça doit être parce que j'avais sélectionné quelque chose et que ça réapparaissait entre deux clics. Ici, on débloquerait les mecs avec des haches. Pourquoi pas? Enfin, faut qu'on ait des bâtiments avant. Hein. Je regarde juste un peu en speed où sont les troupes parce que. Ça, c'est quoi? Des dragons d'onyx, infanterie armée d'arc. Rôle de bombardement, carrément. Sachant qu'on est plutôt une faction pacifique entre guillemets, j'ai pas l'impression qu'on ait des réformes. Alors, je sais pas exactement si les réformes sont les mêmes pour tout le monde, hein. Mais en tout cas pour l'instant on n'a pas des trucs de fou. Hein. Le mandat du ciel, on débloquerait les dragons jaunes. Bon là déjà ça déconne un peu moins, mais c'est pas demain. Je pense qu'on va partir sur ce truc là. Les secrétaires eunuques. Du coup on va voir si ça nous débloque. Ouais, ça nous débloque un niveau d'administrateur. Alors, une position d'administrateur est disponible et réduisent la corruption à leur commanderie. Ils nous fournissent une armée supplémentaire. Par contre, je peux pas. Si je fais ça, j'imagine qu'il est plus. Il sera plus dans notre armée. Effet de la position. Commanderie gérée plus 5. Ouais. Si je mets lui. Donc lui il cherche pas. Donc on voit que lui le changement de satisfaction serait de plus 0. Alors que lui clairement il veut quelque chose donc ce serait plus 18. Le problème c'est que je sais pas du tout si je fais ça, s'il devient plus général ou pas. Et du coup ça m'emmerde un peu, très honnêtement. Parce que franchement, il m'a coûté tellement cher à recruter que... Ouais. Ouais. Alors, bon, je vais me permettre, hein, vu que je découvre le jeu, je vais me permettre de sauvegarder. Et de tester et de recharger la partie si jamais ça me pourrit mon général. Hein. Je m'en voudrais pas, mais là je connais pas du tout ces concepts. C'est marqué nulle part qu'il va quitter l'armée, même si a priori ça me paraîtrait pas totalement déconnant. Alors, déployer l'administrateur, commanderie, ici. Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, ou je peux le mettre ici. Là, voilà. On va le mettre sur notre capitale, tant qu'à faire, hein. Ok, donc là il est devenu administrateur, très très bien. Et est-ce qu'on a toujours notre armée? Et il est toujours général de l'armée, d'accord, intéressant du coup. Donc là du coup maintenant on a ce monsieur qui administre le coin. Est-ce qu'on peut voir tous ces trucs? En public plus 5, emplacement de construction, corruption moins 30%, donc ça tout ça c'est lui qui le donne. Par contre, il donnait d'autres bonus aussi. Est-ce que je peux les voir? Voilà, là, je peux le voir. Il faisait plus 5% d'usure due aux forces hostiles pour les armées qui traversent. Ok. Revenu de l'industrie, revenu agricole, compte construction, moins 28%, la vache. Attendez, du coup, on va complètement péter ça et le refaire. Ça nous coûtait beaucoup moins d'argent, enfin, théoriquement. Est-ce que je peux voir le prix de base? Non, je peux pas voir le prix de base, non, si.
Ça coûterait 2160 ça. Est-ce que j'ai un autre endroit où je pourrais le construire pour voir? Ouais, genre ici, ça coûte 3000. Ouais, donc oui, effectivement, ça fait une sacrée baisse de coût. Parfait. Et il est quand même encore dans l'armée. Je me retrouve. Et du coup, Que par contre, Altesse? il est content. Enfin, il lui manque d'objectifs, mais dès qu'on va commencer à aller envahir un peu l'ennemi, je pense que l'objectif, ça va aller mieux. Ok, bah c'est pas si mal, on va passer le tour, on va espérer qu'il n'y a pas une armée qui va profiter des 2 secondes où il n'y a rien là pour se pointer. N'est-ce pas? C'est bon. Alors. Fin des relations. Fin des relations, c'est un plaisir à notre. Ok, Sun Shao et Kongrong s'aiment moins. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, bah. Il voulait une position à la cour plus élevée, il a peut-être pas apprécié. Alors, est-ce que toi tu ferais un bon général? T'es un garde. Loue la perspicacité, respecte la prudence. Ok. Sinon, t'es faible. Modeste. Abhorre l'arrogance, abhorre l'avarice. Et t'es solitaire. Ne prête pas attention à la sociabilité. Ouais. T'es pas vraiment un mec à foutre dans une armée. Dans une armée comme ça non plus, hein, j'ai l'impression. Alors ici, on va réembaucher. Waouh, Kongrong, ça coûte 2300 de le... 2230 de le reprendre. Mais on va le Avec reprendre. Hein. sagesse. Il n'est pas là pour glander de toute façon. Il Hop, faut voilà. méditer sur le cours des choses. Et comme ça, il permettra de tenir un peu dans ce coin-là. Pour l'instant, le siège n'avance pas, visiblement. Tour restant avant la reddition 4. Ouais. Ça devrait plus durer très très longtemps. Et du coup, on a donc là, rapport d'armée, nomination, on a juste signé un général, nanana. Il nous reste suffisamment de sous pour peut-être faire des trucs. Par exemple, mettre une affectation. Donc toi, tu peux faire un programme d'éducation ou superviser les constructions. Ouais, peut-être une petite supervision des constructions dans ce coin-là là, pour améliorer la zone. Allez, viens. Donc après, normalement, quand on va gagner un peu de prestige ici, ce qui avec un peu de bol devrait arriver quand on aura terminé de construire ça, ouais, prestige plus 12, on va débloquer un nouveau rang d'administrateur, donc on pourra éventuellement mettre quelqu'un d'autre. L'autre qui est pas très très content, par exemple. Bon bah, ce tour-là, on peut pas faire grand-chose. Oh, il s'est replié. Alors, ah, lui, il veut faire une paix avec nous. Ouh, on dirait qu'il s'est fait défoncer. On dirait qu'il s'est fait défoncer. Alors, on va enlever le paiement parce que j'ai pas besoin de sous. Par contre, est-ce qu'on peut lui demander du territoire? Alors. Vous recevez mine de sel. Ouais, non, voilà, ça coûte beaucoup trop cher, on est d'accord. Je voulais voir un peu ce que ça donnait, combien ça coûtait, mais. On pourrait lui imposer un accord commercial en échange d'une paix. Mais non, enfin, j'ai absolument pas envie de faire une paix. S'il s'est fait défoncer. On va complètement lui sauter dessus. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais il est passé quand même leur force comparée à la vôtre négligeable quoi. Alors que c'était quelqu'un qui était normalement plutôt énervé. Donc nous on va refuser. C'est une insulte. Ouh la vache, il a pris cher. Ah oui, il est en train de subir de l'attrition, c'est pour ça qu'il a dû se replier. Wang Shao a signé un traité de paix avec Wang Fu, ok. Putain, ouais la vache. Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? On pourrait peut-être lui redonner un peu de nourriture. Peut-être qu'il est de nouveau dans le mal en termes de nourriture. Bienvenue, camarade. Ouais, il est à moins 1 de nourriture et nous on est à 5. On va lui reproposer 2 de nourriture.
en échange de... En échange de ça. De toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre, peut-être réclamer un paiement ponctuel. Non, 50, ça vaut pas le coup. On va passer à 175, et je pense que ça devrait être bien. Allez, on va lui accorder ça. On lui donne un chouïa de nourriture. Pour aider un peu à ce qu'il se fasse pas trop défoncer, parce qu'après tout c'est notre seul pote, hein, donc... La bonne volonté stabilise les liens. On va pas prendre le risque qu'il nous tombe dessus, puis du coup... Bon, il prend quand même de l'attrition. Je sais pas trop pourquoi, il doit être en dèche totale de ravitaillement. Taichi est devenu créatif. Préparez bah c'est quartiers. Cool, ça fait quoi? Loue la perspicacité, loue la flexibilité, dédaigne la discipline. Expertise plus 12, construction moins 5. Très très expert le monsieur. Alors du coup, on a dit qu'on allait jeter un œil par là. Avec détermination. Et on peut déjà plus passer, qu'est-ce qui se passe? Ah merde, ça a été pris par quelqu'un d'autre ça. J'avais pas vu. Ah ouais, mais Yan Shao, il est en furie quoi. D'accord, donc en fait, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut s'étendre, sauf par là. La lucidité existe. D'accord, bah du coup on va se barrer par là, complètement avant que Liu Bei puisse revenir. On va se mettre en marche forcée. Bon, on n'avance pas des masses, mais c'est pas grave, on va courir jusqu'ici du coup. On a obtenu les canons sacrés de Nanhua. Satisfaction plus 6, entretien de régiment moins 5%, ça serait pas mal pour toi ça. Complètement, entretien de régiment moins 5%, j'aime l'idée. Prends donc ça. Et toi t'as quoi? Le classique de la piété filiale. Ouais, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. D'accord, bon bah du coup effectivement peut-être qu'une paix serait pas non plus déconnante avec ce monsieur. J'espérais que vous aviez quitté ce monde. Paix. Alors du coup, il proposait de la nourriture, on pourrait lui mettre un accord commercial. Mais je sais pas s'il va pouvoir commercer pendant très longtemps. Surtout ça en fait, visiblement il doit avoir au moins cette zone là encore. Puisqu'on voit qu'il n'y a pas de répercussions diplomatiques si on y va, peut-être ces deux là. Mais ouais, il s'est fait dépouiller. Hein. On va pas lui proposer un monopole commercial, on va lui demander du blé. Combien on peut? Maximum. Normalement je peux taper, pourquoi tu veux pas taper? Ok voilà, genre je lui demande 900 par exemple. Putain la vache, il veut vraiment beaucoup sa paix hein. Alors est-ce qu'on peut lui demander autre chose d'intéressant? De la nourriture? Non. Des paiements réguliers c'est pareil, c'est pas ouf. Un monopole commercial hein, ça pourrait rapporter, mais je pense qu'il va se faire... Là cette truc là va se faire prendre très vite. On va essayer de faire un monopole commercial avec Yuan Shao plutôt. Donc on va virer ça. Maximum 4000. Bah écoute, essayons 2000 alors. 2000 il voudrait bien. Et ben... 3000. 3000 ça commence à faire un peu trop. Ok, très bien. Donc 2500. 2500 c'est trop. 2300. 2300 c'est parfait. Sachant que ça c'est moins 17 et que ça c'est plus 14, mais qu'il est quand même content. Donc go hein. Alors Yan Shao nous aimera moins si on fait ça. Ah, alors du coup on va peut-être d'abord faire notre... notre accord avec lui. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit accord commercial? Ah merde. Bah on a une frontière commune, il est là. Fait chier. Un pacte de non-agression, il voudrait pas, bien sûr. D'accord, bah ouais, je sais pas pourquoi on peut pas faire ça. Parce que du coup on a une frontière commune au final, vu qu'il a, il a conquéri ce truc là. Ouais, bon bah du coup, tant pis pour toi, on va faire annuler. On va faire une paix avec l'autre là.
Parce que pour l'instant, de toute façon, ça nous sert à rien de continuer, hein. Il est en guerre contre beaucoup trop de personnes, il va se faire défoncer. Donc on avait dit un paiement de 2300. Voilà, allez hop, c'est parti, on récupère des sous. Du coup on a quand même bien fait d'attendre parce que on pouvait lui prendre ça tout à l'heure et c'est-à-dire qu'il l'avait pas perdu. Maintenant qu'il l'a perdu, il a encore plus envie de faire une paix forcément. Avec Kongrong du coup on va aller par là-bas des fois que lui décide de nous attaquer la guerre parce qu'il a pas aimé le fait qu'on fasse la paix avec son ennemi. Il nous faut un plan. Et avec tous nos sous, on pourrait monter ce truc là. Ou carrément augmenter le port de commerce. Ouais, ce serait pas déconnant. Ou alors on fait carrément ça, on se fait pas chier. Mais ça pourrait être intéressant d'attendre que ici il ait terminé ce bâtiment, parce qu'on passera second marquis, on pourra mettre un administrateur et du coup ça sera peut-être plus rentable. Ouais, mais on va quand même. On va partir sur ce petit bâtiment là. Plus de revenus du commerce, c'est parti. Est-ce qu'on a des nouvelles personnes à tout hasard? Toi, t'es un manipulateur et toi t'es le pacificateur, donc non. Pour l'instant, rien d'intéressant. Construction disponible, oui, pas de soucis. On pourrait construire un truc ici. Pas trop cher. Améliorer ça pour avoir plus de nourriture. Peut-être ici que j'aurais dû faire l'affectation. Est-ce qu'on gagne une affectation avec ça? Emplacement d'affectation fourni 2. Ouais, ouais, on gagne complètement une affectation avec ça. Regardez dans les marchés rapides en speed si quelqu'un voudrait faire un accord comme... Alors lui, il voudrait. On peut le faire, hein, après tout. S'il accepte comme ça... Vous n'êtes pas encore mort ? Est-ce que tu proposes des trucs? Contre 500 tu faudras... Non, 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 c'est pas rentable. Si tu te fais défendre... Si ça avait été gratos et qu'on avait pu commercer pendant un tour, hein, qu'il se fasse buter, pourquoi pas, mais... Là, non. Du coup... il nous faudra un bâtiment qui fait des sous. Dépôt du marché des docks, allez, on va faire ça. On a un revenu qui est quand même vraiment pas dégueulasse. C'est parti, on passe le tour. Donc lui va rentrer. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on rush. Alors qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qu'il fait? Yan Shao, il nous offre un accès militaire et on donne de la thune. Non. Pourquoi? T'es fou quoi? Ah et en plus il nous demande une masse à deux mains. Mais non, mais t'as fumé la moquette. Comme vous voudrez. Tu veux passer? C'est toi qui paye. Y'a pas moyen. Je rêve quoi. Il est taré lui. Alors, dégriffage du tigre. Lors de la bataille de Jiangyang, Sun Jian est tué par une pluie de flèches venant de Hangzhou. Ok. Très bien. C'est ballot pour lui. Alors là, on va avancer au maximum et on passera en marche normale après. Voilà. Bon, on a ces troupes là qui sont pas remplies, mais c'est pas grave. Après, ça, c'est un siège de cité quand même. Hein. Alors, on a obtenu une oreille indiscrète. Ok. Merde, j'ai pas vu, on a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Les turbans jaunes, ils font des trucs. Alors, on a des nouveaux personnages. Donc, toi, t'es un manipulateur. Toi, t'es un inspecteur. Loue la perspicacité. Merde. Quoi d'autre? Ah. Je. Non, c'est pas c'est ce truc-là, voilà. Il est cordial, il est obstiné et il est brave. Pourquoi pas, toi t'étais quoi déjà? T'avais pas un truc contre la bravoure toi? Loue l'habileté physique, non. Bon, c'est pas si mal. Ce serait pas mal d'avoir un moyen d'avoir un résumé de tout ce qu'il aime et tout ce qu'il aime pas. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu faisais de beau? Tranquille, intimidant.
T'es un conseiller, respecte la patience, admire l'intelligence, ok. Donc lui pourquoi pas. Et sinon on a un champion braconnier. Dédaigne la discipline ou la perspicacité ou la flexibilité. Ouf, il est avare le mec. Ouais, bof. Compréhensif et obstiné. Ouais, bah on va prendre lui, je pense. C'est marrant parce que les mecs niveau 1 coûtent le même prix que les mecs niveau 4. Ou niveau 3. Donc on va recruter ce personnage. Ah oui, puis je suis en mode marche donc je peux pas recruter ici, c'est dommage. Du coup, je peux peut-être lever une armée. Non, ça coûte 2200 donc on n'a pas les sous de toute façon. Il arrivera avec sa cavalerie, monsieur. Très très bien. Pas forcément utile pour un siège, mais c'est pas grave. Ok, on a dépensé des sous. Ici, on se fait tranquillement. C'est parti. Alors, Liu Bei, il voudrait un garde en échange de sous. Ouais, pourquoi pas. Allez, je te donne ça, j'en ai plein de façon des gardes. Ouh, il m'attaque. Il m'attaque et je suis en mode marche. Alors, avec quoi il m'attaque? L'héritier de la faction qui est un guérisseur-chanteur, enfin une guérisseuse-chanteuse en l'occurrence. Encore un guérisseur. Un érudit ici. Et une petite armée supplémentaire à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu dans le mal avec ses troupes. Du lancier paysan, des guerriers turbans jaunes, des archers paysans. On a beaucoup de tireurs, on a des infanteries un peu badass et un peu de cavalerie, on va la faire. On va complètement la faire. On va pouvoir voir un peu ce que vaut notre ami Taishisi. Alors, beaucoup de forêts. Ça c'est du marécage, ouais c'est du marécage. Ses renforts arrivent par là-bas, mais de toute façon son armée principale est là, donc c'est pas la peine de charger. Ici ça me paraît pas mal comme endroit pour se battre. Alors il y a la forêt qui est un peu emmerdante, mais oh ici il y a un magnifique... Oh bon, on va se foutre là tiens, c'est marrant ça. On peut se mettre là-dessus? On peut complètement se mettre là. Ce magnifique contrefort absolument abusé de tir quoi. Bon, il y a de la forêt partout en face, mais je trouve que ça peut être marrant de se mettre là quand même. On va se mettre là. Ils peuvent grimper là? Ah oui, ils peuvent grimper, d'accord. Bon bah on va se foutre là en attendant. On se mettra en ligne derrière après. Alors toi... T'as un arc, mais t'es complètement un mec au corps à corps, on est d'accord. On a pas mal de cavalerie du coup. Allez, c'est parti. Merde. Attention, des renforts ennemis sont là. Ils sont pas derrière moi. Non, absolument pas, on est d'accord. C'est marrant cette espèce de d'énorme but là. Bon, je pense qu'il va essayer de faire le tour du coup, hein, mais d'ailleurs il va peut-être même tellement essayer de faire le tour qu'on va envoyer une cavalerie par là pour être sûr qu'il ne contourne pas trop non plus. Parce que c'est vrai que vu qu'il arrive avec ses renforts par ici, il va probablement essayer de se barrer. On va passer en vitesse 3 tant qu'ils viennent. Franchement, c'est un mur naturel ce truc. Hein. Il faudrait presque une échelle pour le grimper quoi. Mais bon, visiblement, la cavalerie arrive à se balader. C'est presque des dahus, les chevaux. A mon avis, il va se pointer par ici. Donc on va mettre notre petite cavalerie, genre à l'orée de la forêt, là. Histoire de surveiller. Et on pourra s'adapter si jamais il y a besoin.
Sachant que même s'il vient là, il y a des rochers et tout, on pourra s'appuyer dessus pour l'emmerder un peu. Bon, phase d'attente hein, comme d'hab au début. Toi tu peux, tu sais tirer toi. T'as absolument pas de munitions. Non, t'as absolument pas de munitions. Pourquoi je le... Lui, ils sont peut-être en mode escarmouche par défaut les... Les stratèges vu qu'ils sont pourris au combat. Ok, donc là on voit quelques-unes de ces troupes mais elles sont bizarrement en train de reculer. Ok, pourquoi pas. C'est assez particulier. Bon, notre éclaireur est en position, si jamais il décide de traverser là, on aura largement le temps de s'adapter. Bon, on est en marche. On était en... Le seul truc chiant, hein, c'est qu'on était en marche, donc du coup on est fatigué déjà. Ok, ça arrive, donc comme prévu, ils vont se pointer par là. Pas de grosse surprise. La question c'est, est-ce qu'ils vont se pointer plutôt par là, ou plutôt par ici. Il court là. Il se déplace lentement. Ok, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replier ici. Quoi ici? Parce que les rochers vont casser leurs avancées et qu'on pourra les harceler quand ils sortiront de la forêt et pas dans la forêt. Tout simplement. Ce qui sera bien plus avantageux, et c'est quand même en pente hein, pour, à notre avantage. Alors toi tu peux reculer. Avant que tu arrives à porter des archers de préférence. Dommage, on pourra pas trop voir l'effet complet de défense de ce truc là, mais ils arrivaient vraiment trop sur le flanc. On va aller se replacer. Pépouze. Donc niveau cavalerie, il a que sa... que ses généraux hein. Ce qui est bien sûr un gros avantage pour nous pour le coup. Surtout que ses généraux, enfin c'est vraiment pas des flèches au combat. Allez, faudrait que ça avance parce que l'épisode est déjà long là. À ce que je vois, je sais que vous aimez ça quand c'est long donc c'est pas trop grave. Vous voyez que déjà mes propres mecs en marchant ils se galèrent à contourner les cailloux, donc l'ennemi ça va bien le briser je pense. Par contre ici il va falloir que tu cours toi, parce que tu vas finir par te retrouver à porter des archers. Avec tes conneries, il y en a quand même quelques-uns qui descendent là, hein. Ils vont pas y rester longtemps. Hop, mes archers vont être en position quand il faut. Ok, on va pouvoir repasser en vitesse 1. Parfait, donc ils étaient frais mais ils se sont épuisés à courir jusqu'ici. Ce qui est plutôt positif. Et ils vont commencer à arriver à portée de nos arbalétriers. Il n'y en a pas eu d'arbalétriers. Hop là, c'est parti. Visiblement il peut même pas se mettre en formation dispersée, donc là il va prendre tout plein fouet. Même avec des boucliers. Alors, il va être temps d'avancer nos troupes en courant, s'il vous plaît. Lâche. Préparez-vous. En marche. Ici, on va commencer à se préparer à contourner tranquillement. Donc là, il a laissé des lanciers à l'arrière, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est pas non plus dramatique. Hein. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir non plus contourner trop facilement avec notre cavalerie. Allez, en avant, on commence à courir un peu là. Ah non, merde, putain, le mode escarmouche à la con. Stop, on s'arrête. Vous faites demi-tour immédiatement. Faut que je regarde s'il n'y a pas une option pour ça d'ailleurs. Il doit sûrement y avoir un truc quelque part pour désactiver ce mode.
ici esquiver un peu les lanciers tant qu'à faire. Par contre on sent qu'ils sont fatigués mes chevaux. Pouah la vache. C'est tellement le... c'est tellement lent. Ici on est en train de se faire dépouiller. Il arrive à tirer des flèches enflammées alors qu'il pleut, ça c'est bien dommage. Ah ouais mais ils sont tellement lents nos chevaux, c'est ouf. Allez, chargez-moi dans ces archers là. Ça devrait leur faire plaisir. Alors notre général étoile là... Alors le stratège, j'aurais peut-être dû le laisser un peu à l'arrière quand même. Feu. Ouais parce que ouais non là quand même c'est un peu abusé quand même. Non, je t'ai dit de t'arrêter putain. Ouais, notre autre unité de cavalerie, on en avait une autre unité de cavalerie. Il y en a une ici. Ah, ils sont toutes les deux là, d'accord. Ça cache un peu la vue, hein, tout ce bordel des fois. Alors ici, j'aurais bien voulu que tu ne charges pas dans ça. Genre des lanciers, c'est absolument pas le thème. Allez, ici on pousse. Poussez-moi sur ces cons d'archers qui font de la merde. Voilà, c'est parfait. Lui, il est parti pour se jeter sur nos tireurs, on dirait. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Il va se prendre des rafales. Il s'est retrouvé coincé dans les cailloux. C'est parfait. Ici, j'aimerais bien une petite charge de dos. Bon, là, le stratège, il fait le taf, hein, mine de rien. Ils sont quand même 100 les mecs hein, ici, donc ça va piquer un peu. On va regarder ça de plus près. Boum. Oh la vache. Oh putain. Ouais ok d'accord, donc effectivement ce type est une grosse brute. Vous êtes arrêté, vous faites rien vous. C'est un peu con de votre part. Qui c'est qui tire encore? Là il tire, est-ce que j'ai de la cavalerie proche? Toi, va faire s'enfuir ces gens. Et vous, bah vous allez harceler un peu ce qui est en train de se barrer par là. Vous allez tirer sur eux. Alors ici on va se faire piéger. Tout le monde est en train de s'enfuir de toute façon. Donc faut qu'on fasse le tour pour... Enfin, si on essaye en tout cas de faire le tour. Toi tu vas là. Pourquoi je peux pas dézoomer plus là? C'est le bordel ça. Nous sommes sans munitions, tir impossible. Ok, ici on s'occupe des gens qui s'enfuient, parfait. Là ils résistent hein, les archers paysans, mine de rien. Non, il y a ceux-là qui sont en feu là, remonte pas la pente juste pour ça. C'est lui qui s'en occupera. Alors là on les a chargés d'eau, du coup on les dépiote. Parfait, on va pouvoir aller renforcer un peu par là. Notre victoire approche. Cours par là toi. Courez leur après pour qu'ils se reforment pas. Oh, ils ont foutu le feu à la forêt avec leurs flèches enflammées à la con. Ici on va les soutenir un petit peu notre cavalerie. Non c'est bon, on va sentir très très bien notre cavalerie. Aucun besoin de soutien. Poursuivez ces lanciers paysans là. Ici on va contourner avec nos archers. Non mais ils sont enfuis, dès qu'ils m'ont vu bouger ils sont enfuis. Alors du coup, va quand même falloir qu'on nettoie un peu tout le bordel. Là c'est parti, on poursuit ceux-là. Là ils sont trop loin. On va aller poursuivre ces lanciers paysans à la place. Vous je suis pas bien sûr que vous arriverez à les rattraper. Arrêtez-vous. On a une autre cavalerie qui est là, qui s'occupe de ça. Bon, c'est pas si mal. Oh, ça s'est plutôt bien passé, vu la défaite de justesse qu'on nous promettait.
On a quelques unités qui ont souffert quand même, hein, on va pas non plus dire le contraire, mais globalement on s'en est plutôt bien tiré. Si on arrive à bien les défoncer, ça veut dire que la ville devrait être relativement à poil après. Où est notre stratège? Il est là. Allez finir ce mec là, il y a combien? 30. Ah il y en a eu encore 30 quand même. Bon 20. Ça va, vous vous faites rien. Non c'est bon, vous courez. Vous faites quoi? Vous vous occupez de quelques lanciers. Pourquoi pas. Vous allez vous occuper de ces gens après. Le stratège a quand même fait le taf hein. Toi tu fais rien par contre. Occupe-toi plutôt de ceux qui sont un peu plus loin là. Ceux-là on pourra toujours se replier sur eux. Ça c'est la petite fin de bataille hein. Voilà, faut nettoyer les troupes qui restent. Voilà, ils devraient tomber comme des mouches de toute façon. Oh ça grouille là. Ah non, c'était un effet d'optique avec la pluie. Je crois qu'il y avait une grosse unité mais non. Eux on les rattrapera pas, c'est de la cavalerie de toute façon. Là par contre il y a moyen. On a perdu 20 hommes de Taishishi, mais globalement vu ce qu'il a dû affronter, il a fait le taf. Et son potentiel de charge est... c'est quand même la violence. Là on est sur le bord de la carte. Donc se replier sur cela. Ah, on peut les diriger comme ça, nos troupes, tiens. Intéressant, t'es hyper loin, toi. Alors, cela dit, il y a une autre unité de cavalerie qui est encore plus loin, là. Alors, tu vas attaquer cela. Là, il n'y en a plus qu'un. Attendez, mais elle est pas logique, cette map. Ah, mais on a inversé, en fait, d'accord. Voilà, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut à droite, lui. D'accord, on est complètement inversé. Notre point de vue a totalement changé, du coup, je suis à l'ouest. Vous avez des gens à tuer? Oui, vous avez des gens à tuer? Oui. Allez, on va passer en vitesse 3, on va laisser finir leurs unités, puis on va s'arrêter là. Le reste derrière, c'est beaucoup trop dispersé. Dès que je vois qu'ils courent plus, voilà, toi t'as terminé, retourne là-bas. Toi t'as terminé, il y a des trucs proches de toi. Ouais, là-bas, mais bon, la flemme. Ça fait déjà bien assez le taf. Vous, ouais, vous êtes un peu dans le mal, vous. Revenez là tranquillement. Allez, c'est bon, terminé. Victoire de justesse. On a les victoires de justesse qu'on mérite, j'ai envie de dire. Telle la marée, le destin des guerriers est en constant mouvement. Victoire de justesse. Votre armée a affronté une armée supérieure en nombre et a perdu. On n'a pas dû faire la même bataille, je pense. Probité l'a emporté. Faisons ripaille. Alors, on a capturé ce monsieur. On pourrait lui voler une hache d'argile. Il veut pas qu'on l'emploie, et on n'a pas vraiment besoin de sous, on va donc l'exécuter. Lui il est revanchard, revanche, donc clairement on va pas le libérer non plus. On peut récupérer un éventail en plume. Les garder en vie coûterait trop cher. Et toi, t'as quoi? Un arc composite. Ah cool. Ils nous sont inutiles. Et on va recruter des troupes hein, pour récupérer un peu de personnes dans notre armée. Alors, la relation entre Shishi et Taishi se renforce à cause d'une vie harmonieuse, parce qu'ils s'entendent très bien. Deux de vos compagnons les plus controversés se sont liés d'amitié. Bah parfait. Parfait, parfait. Alors ici, on va passer en marche normale. Hop, voilà. Et vu que c'est l'hiver, on va pas tout de suite rentrer sur le territoire ennemi, je pense. On a un nouveau personnage qui est là, on pensera à le voir. On a construit un bâtiment, et du coup on a récupéré plein de trucs qu'il va falloir qu'on équipe. Mais on va arrêter l'épisode là parce qu'il est beaucoup trop long. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je précise que je tourne cet épisode un peu en avance parce que je suis pas là cette semaine. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si je ne pourrais peut-être pas les prendre en compte tout de suite pour le prochain épisode. N'en prenez pas ombrage et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.